Parce que vous savez, pour être triste, y a rien besoin de faire. Y a rien besoin de faire. Pour être dépressif, y a rien besoin de faire. Je vous l'annonce direct. Tu te mets en pyjama, tu t'allonges dans ton canapé et tu penses au corona. Voilà, tu fais ça. Tu te mets en pyjama dans ton canapé, tu penses au corona. Et là, tu vas avoir une angoisse. Et mes vacances, et ma famille, et mes parents, je peux pas les voir. Et tu vas te tirer une balle tout seul. Mais tu veux être heureux, tu veux être heureux, tu es obligé de t'activer, tu es obligé de t'habiller, tu es obligé de te maquiller, tu es obligé de te faire belle, tu es obligé de faire du sport, tu es obligé de t'entourer de gens qui sont bien, tu es obligé de prier HM, tu es obligé d'étudier la Torah. Pourquoi tu es obligé? Tu veux être positif dans ta vie, tu veux voir du bien, tu es obligé de fournir un effort, tu es obligé. T'es obligé, c'est pour ça que c'est bien plus facile que quand tu vois une vidéo qui est positive, de vous dire, vous inquiétez pas les amis, personne va mourir, vous inquiétez pas, le vaccin c'est pas pour nous détruire, et que là c'est bien plus facile de dire, eh bah tu sais quoi, je vais envoyer un lien pour montrer que c'est la fin du monde, et voilà, tout le monde regarde. Et moi ces gens là je les plains, je me dis, moi t'as rien d'autre à faire, t'as rien d'autre à faire que de vouloir rendre le monde noir. Rends-le bien, rends-le positif, mais c'est pour toi que tu le fais. C'est pour toi que tu le fais. Vous savez, je veux dire une chose, on va tous mourir, mais au moins on meurt avec le sourire. On va tous mourir, mais au moins qu'on meurt avec le sourire. Pourquoi être grincheux et être comme ça Mais ça se transmet chez tes enfants, et après quoi tu vas dire à tes enfants, tu vas dire, ah, pourquoi vous faites cette tête, hein, c'est pas normal, vous manquez de quoi, hein, vous manquez de quoi, je vous ai les cadeaux que je vous ai achetés, à Hanouka vous avez vu, je vous ai fait le Père Noël puissance 12, je n'ai pas compris, qu'est-ce qui vous arrive à vous, pourquoi vous êtes toujours malheureux. En fait, c'est ce qui pourrait être bon tes enfants, bah, regarde ta tête papa, regarde ta tête maman, t'as vu la tête que tu fais, t'es la plus heureuse toi, tu fais t'es le soleil de la maison. Rabotaille, combien on doit ramener le bonheur?